Dans l'ancienne fosse aux ours du parc animalier de Gramat, plus de plantigrades. Ils ont cédé leur place à de nouveaux locataires. Transformés en volière, les 850 mètres carrés accueillent désormais une quarantaine de volatiles. On a décidé de reloger d'abord la plupart des oiseaux qui étaient déjà dans le parc, dans des petites volières. On aura des cigognes, ibis sacrés, quelques espèces de faisans, perdrix rouges. Puis on a des nouvelles espèces comme les ibis falcinelles qui n'étaient pas présentes au parc. 2 ans après le déménagement des ours, c'est donc un espace entièrement repensé pour les oiseaux qui a été aménagé. Un espace imaginé aussi pour le plaisir des visiteurs qui sont invités à pénétrer dans la volière pour une expérience en immersion avec les oiseaux. Ce projet se voulait innovant et atypique puisque nous n'avions pas au parc animalier donc d'enclos où le public pouvait rentrer à l'intérieur au plus près des animaux. Première à être autorisée à entrer dans la volière, cette assistante maternelle se dit conquise. Ça permet d'avoir un autre regard que sur l'extérieur, de les voir de l'extérieur, dont là on peut presque les toucher, donc c'est très bien. Dans les prochains mois, 10 d'autres oiseaux devraient rejoindre la volière. Le parc est notamment à la recherche d'un couple de cigognes noires et de pélicans gris à dos rose.